Montluçon 2023, c'est aussi l'occasion de découvrir l'ensemble des nylons et des tresses de la gamme Corda qui font la renommée de la marque depuis de nombreuses années. Je vous propose de faire un tour rapide avec moi. Toute la partie tresse ici, tresse à sonder, tresse à marquer, avec la SLR, la version classique de la tresse à sonder et puis la Spot Braid. Très très bien pour spoder. Les tresses, on a l'Apex en version flottante, la Sub Braid qui elle est enduite tungstène et qui coule très rapidement, très très bien pour les pêches discrètes. La partie nylon, les versions Carp Line, donc un nylon très abordable et à très très bon prix. Le célèbre contour, vraiment parfait pour les pêches discrètes, ça coule comme de la brique, c'est vraiment top. Et ensuite, le nylon, alors le subline, hein, c'est vraiment le classique de la gamme, ça se lance très bien, c'est très peu élastique, ça coule fort, c'est vraiment le passe-partout. Le touchdown, qui est en fait une variante un petit peu, très peu élastique aussi, très bien pour les pêches du bord, mais mon favori personnellement, ça reste quand même le long chuck. C'est vraiment un nylon idéal pour les pêches du bord, et c'est mon choix favori depuis de nombreux mois maintenant.